Découvrir sont de l'architecte Christian de Porzempart et ont été inaugurés en 1987. Cette école, toute blanche, est formée d'un bâtiment composé de trois pôles de vie. Le pôle scolaire, le pôle habitation et le pôle danse. Pour être admis aujourd'hui, il faut avoir entre 8 et 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons et satisfaire évidemment un examen médical. Tout y a été étudié. Le scolaire le matin, la récréation dans un jardin de 900 mètres carrés dans les moments de liberté et la cantine avec des repas diététiques et équilibrés. Allô ? Bonjour maman, ça va ? Ouais, je te téléphone, c'est pour vendredi le train. Ça va couper maman, ça va couper. Les studios sont au nombre de 12 pour une centaine d'élèves et une vingtaine de professeurs. La régie vidéo qui permet de visualiser un défaut et ainsi de mieux le corriger. La bibliothèque. Le pôle danse est conçu autour d'un escalier central. C'est le poumon de ce superbe bâtiment. L'internat avec les chambres pour 3 élèves. Et chaque année, à l'époque de Noël, les enfants organisent eux-mêmes un spectacle. Ils en font le projet, la chorégraphie, ils choisissent les musiques, ils font les costumes. Et évidemment, les parents sont les premiers invités. Le vendredi à 16h, c'est le joyeux retour en famille. L'école est considérée aujourd'hui, à juste titre, comme la meilleure du monde. Tradition, évolution, perfection, ces trois mots illustrent l'enseignement prodigué. Au 18e, on choisissait les danseurs en premier lieu en fonction de leur visage. La beauté du visage, la beauté des épaules pour les femmes et la grâce. Au 19e, on est resté un petit peu dans le même style, sauf que le romantisme avait épuré un peu le costume et que déjà la danseuse sortait de sa fleur, c'est-à-dire que la taille émergeait du costume. Et puis vint l'IFAR qui a amené le maillot académique. Le maillot académique qui a fait découvrir les formes de la danseuse. Alors d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait des proportions, qu'il y avait des jambes longues, des jambes plus courtes, des bassins plus courts, des épaules étroites. Et d'un seul coup, la ligne est devenue beaucoup plus perfectionniste. Notre devoir, nous qui connaissons ces problèmes, c'est de choisir les corps qui vont vous aider au maximum dans votre carrière. Parce que vous allez grandir, vous allez grossir, vos muscles vont se former. Et il faut donc que votre squelette et que votre morphologie soient au départ excessivement longiligne, de façon à ce que tout ce qui peut arriver dessus ne change pas la grâce de votre morphologie. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Natacha, viens. Natacha, 12 ans. Ce que nous appelons un petit format, un petit peu petite pour nos critères, parce que maintenant les danseuses sont assez grandes en général, mais Natacha est un peu petite. Mais regardez les proportions de son corps, elles sont parfaites. Quand nous choisissons les enfants, on leur met les deux jambes en sixième position. Vous voyez, la ligne doit être absolument pure, de dos également, les proportions. La valeur du dos et des fessiers par rapport aux jambes doit être absolument de proportion parfaite. Maintenant, le cou dégagé également. Bien, ce que nous demandons aussi, mets-toi de profil,
pour les enfants, plis, exercices qui nous donnent la possibilité de voir la longueur des tendons. Ça, c'est absolument nécessaire pour le plié du danseur, car c'est ce qui va toute sa vie lui servir, aussi bien pour les pointes que pour le saut, c'est le décollage et l'atterrissage. Tu plies, tu sautes. Voilà, encore. Voilà. Ça, si le tendon est trop court, quand l'enfant plie, elle sera... Si le tendon est court, lève tes talons, elle... Voilà ce qui se passe. Elle lève les talons. En l'occurrence, elle ne pourra jamais avoir une bonne réception au niveau danse. Bien. Maintenant, tu vas montrer ton pied. Voilà. Voilà un pied naturel, ce qu'on appelle le coup de pied, hein, qui, bon, nous allons lui donner de la force, faire travailler tous les muscles ici de la cheville. Lâche ton pied. Bon, nous avons des pieds qui sont... Voilà, crispe tes doigts de pied. Voilà, ce qu'on appelle le pied en fer à repasser, qui fait que, ici, la ligne est coupée de la jambe. Allonge ton pied. Voyez, il n'y a qu'une seule ligne. Dès que le pied n'est pas dans la ligne, ça va se déformer. Le muscle va automatiquement grossir pour rattraper l'équilibre qui manque sur le pied. Pique. 2 et 1.
développer. Tirez, tirez sur vos pointes. Un, piquez. Redressez-vous, redressez-vous. Soutenez bien le corps, toujours. Un, deux, plié. Deux, plié, arche, et plié. Pas en arrière, Jennifer. Quatre. Et lâchez. Vous auriez pu rester plus longtemps, hein? Et vous auriez pu rester plus longtemps en seconde. Contrairement à la technique du garçon basée sur le saut, la danseuse acquiert son élévation artistique grâce à la pointe. Cela semble naturel. N'oublions pas pourtant que tout l'équilibre du corps repose sur les 3 cm carrés du bout du pied. 1, 2, ici, tenez bien la ceinture. 1, et piquez net. 1, et lâchez, lâchez. Demi-plié, relevez tout de suite. Poussez bien en dehors, redescendez souple, demi-plié. Portez bien le poids du corps sur la jambe. 2. Lâchez. Jennifer, reste bien appuyée sur ta jambe. Ne vous écrasez pas, tirez toujours sur le corps. Soutenez le corps. Bien. 2. Poussez le genou. Et demi-plié souple. Et respirez. Chaussons, il est trop large, hein, il est déformé, là, il est mal fait. Alors, pour réparer ça, tu vas piquer serré au bord, là, hein, et tu élargis au fur et à mesure. Un, deux. Voilà, vas-y, essaye. Et pousse. Pointe en cinquième. Équilibre en arabesque. Fermé. Équilibre en quatrième devant. Fermé. Équilibre. Seconde. Coupé, fouetté. Coupé, fouetté. Coupé, fouetté. Port de bras. Préparation. Vous respirez et on reprend de l'autre côté. Allez-y. Attention, hein, les enfants. Tenez bien le dos. Ici, la ceinture, ici. Tenez, hein, votre point central du corps. Tenez-le bien. Et respirez, ne vous crispez pas. Allons-y. Et quatre. Et un. Deux, n'hésitez pas. Allez, trois. Tu affaisses ta hanche, Delphine. Soutiens tes hanches. Soutenez le dos. Jusqu'au bout du mouvement et vous hésitez, alors vous ne faites rien. Alors on rate, on en rate quelques-uns et puis après on finit par réussir. Allez-y. Soutenez bien le corps. Pliez, appuyez, enfoncez le talon, plie et tire en l'air, tire. Votre accent, enlève votre accent. Et un, ne descendez pas.
corps bien droit, ne descendez pas, n'avancez pas, droite. Allonge ton bras derrière, Aurélie. Et sortez bien les poings. Les demi-pliés plus souple les demi-pliés. Équilibre, plié et à l'inverse. Un tour équilibre, plié et à l'inverse, équilibre encore. Retenez le deuxième temps en l'air. Retenez le deuxième temps. 1, 2, 3, et 1, 2, 1. Et le demi-plié, ne vous écrasez pas. 1, thank you.
Les caractéristiques de la danse française au XVIIIe siècle étaient vivacité, rapidité, charme. Aujourd'hui, nous tenons à garder cette qualité en y ajoutant précision et technique. Là, et c'est pas parce que c'est un exercice que c'est triste. C'est une préparation à quelque chose, à un très joli pas. On y va. Hein? La main, le pied. Ah, oh, regarde le sortir. Ah non, c'est l'autre. Ah, oh, maintenant c'est la main. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Et 1, 2, 3, 4, la hanche. La hanche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Tu as vu, tu t'es écroulé un peu. Pouf. T'es pas resté comme ça. Pour pouvoir travailler, là, les hanches bien comme ça et bien serrées. Et à la fin, t'étais un petit peu comme ça. Alors, tu as manqué de rapidité. Alors, vous allez faire ce pas-là. 1, 2, 3, vous rejetez. 1, 2, 3. Et bien la hanche comme ça. Bien là, ici. Après, vous avez les passés tout petits comme ça. Hop, mon jambe. 1, 1, 1. Et cinquième. Voilà. On y va, Philippe, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, donc, 1, et reste, 1, 2, 3, 1, stop, 1, stop, 1, et râle, 1, 2, 3, hop, 1, 2, là. Regardez quand il sort ton pied, 1, et hop, 1, et plus près de vous encore, plus près de vous. Belle respirer. Et vous écoutez la musique, et selon la musique, hein, à un moment ça change aussi d'intention d'œil, hein, de regard. On y va. Hein. Là. Et. Quand vous montez sur les pointes, on le ventre, hein. Voilà. Et. Serré. Là. En arrière, quand on monte sur la pointe. 1, 2, et un pied. À moi. Voilà. 1, 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
C'est parce que je ne sais pas si vous êtes mordu, hein. Montez, montez. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Bon, mes enfants, maintenant que vous avez bien travaillé les pieds, bien en dehors, bien ramassé, avec toute la rapidité, toute la vélocité, hein, vous allez danser, mais danser, hein, expressive, sur la musique. Vous n'allez plus écouter que la musique et que vos pieds tactent bien musicalement, hein. Alors, vous avez le pas de bourré, vous avez le pas de bourré, hop, relevez vite, hein. Et le haut du corps est très, très joli, très souple, beaucoup d'épaulement, hein. Et un, et deux, et trois, et un, et les petits pieds, les petits pieds, les petits pieds, les petits pieds, mais les bras, tout comme ça, malgré tout bien placé. On y va, maestro Philippe. Un. Et puis alors, il y a une petite spécialité, hein. La petite spécialité, flic flac, hein. Tac, tac, tac. Hop, hop. Tac, tac, tac. Hop, là. Hein. Bon film, s'il vous plaît. Et toujours très gai, hein. Pied. C'est bien. Bon, les enfants, merci. Merci, Philippe. Me lève pas la main, mon chéri. Vas-y, vas-y, Alexis, allez. Vous avez eu un bébé, aimeriez-vous qu'il fasse de la danse? Oui, j'ai une petite fille qui a 6 mois, là. Effectivement, comme je suis mariée avec un danseur, il se peut très bien que ma fille ait envie aussi de faire de la danse, mais... Personnellement, je sais que j'hésiterais un petit peu à l'influencer parce que c'est tellement difficile comme métier. Je connais tous les inconvénients, je connais les avantages aussi, c'est vrai, mais quand on est passé par là, c'est difficile de, d'influencer son enfant en connaissant toutes les difficultés quoi, d'une carrière. Mais bon, si elle a vraiment envie de le faire et si elle est passionnée, je l'encouragerais parce que c'est un métier quand même merveilleux, quoi. La danseuse n'ayant pas la puissance athlétique du garçon,
La technique du saut de celle-ci tendra plus vers la légèreté du déplacement. Allons-y. Et... Mais pas en avant, hein, enfin... Et... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Attention! Hop! Bien! Et... Un... Contrôle... Tu recules, Raphaël, tu vois. 3, 4, reste droite. Pose tes talons. Attention. Hop, pousse. Allez, on les dit, pousse. Arrêtez. Doucement, hein. Alors, Élodie, c'est en dessous de toi, c'est pas pour te toucher le derrière. Le bas de jambe en avant, je te tiens. Le bas de jambe en avant, Élodie, encore plus. Écoute, tu penses trop vite là, hein? Contrôle d'abord, hein? Tu penses, je fais le retirer jusque là. N'essaie pas de me faire un truc énorme, je te tiens, c'est pour que tu contrôles, vas-y. Voilà, doucement Élodie, doucement. Tu vois, regarde, tu m'arrives comme ça, hein? Tu dois pas arriver comme ça, tu vas te faire mal aux chevilles, hein? Bon, oui, t'as le ressort naturel là, pousse pas trop quand même parce que tu vas te faire mal maintenant. Pas faire n'importe quoi. Tu sais, des fois, quand je vous vois un peu dans les couloirs, là, en train de sautiller, de faire des trucs qui sont pas pour vous, vous rendez pas compte, vous prenez des risques, hein. Faut pas prendre de risques, hein. Allez, on fait. Tiens ton dos. Bien, beaucoup mieux, Elodie. Ouais, ça va. Ça suffit. C'était beaucoup mieux, Élodie. Bien, ma chérie, bien. Raphaël, pousse tes talons. Hop. Encore une petite fois. Hop. Première, ça va. Allons-y. Hey. Je sais, c'est dur, hein, mais il faut pousser jusqu'au bout. Hein. C'est au moment où tu fatigues que tu vas commencer à faire des progrès. Et tu lâches au moment où tu fatigues. Bon, allons-y, les enfants, la série des sauts de chat. Hein. La glissade, hein, Aurélie, te fatigue pas sur la glissade, c'est un temps d'appel. Un, deux pour ramasser tes jambes et pour sauter. Le premier, il est grand, deux fois. Ensuite, la série. Petit, c'est la rapidité. Ramène vite tes jambes et ensuite, sur le rebond et sur le ballon, tu te laisses sauter. Laisse-toi sauter. Tu contrecarres tous tes mouvements tout le temps. Allons-y. Et respire. Hop. Voilà, ça c'est bon. Hop. Respire. Décontracté, Aurélie. Attention, petit. Petit, plus grand. Allez, c'est bon, pousse. Souffle. Bon, les enfants, on va commencer les jetés, les grands jetés, mais développés, hein, parce que c'est plus facile. Hein. Alors, glissade, jeté, développé. Pas de bourrée, jeté, arrêté. Gardez votre position, tenez le dos. Pas de bourrée, préparation de l'autre côté. La deuxième fois, deux. Glissade, jeté, développé bien. Je dis développé. Ne jetez pas le pied. C'est développé. Hein. Posez, pas de bourrée. Respirez, préparation. Allons-y. Allez, Aurélie, tiens le dos. Pousse sur tes jambes, bien en avant sur ta jambe quand tu fais le jeté. Hein? Allons-y. Bien.
Bon, alors, les passés fouettés, pas de bourrée, jetés. Alors, le bien l'appui pour le saut. Ici, alors ce que je voudrais aussi, c'est l'accent avec la tête. Hein. C'est, vous faites le passé, fouetté, un. L'accent avec la tête en même temps avec les bras. Pas d'épaule, rien avec les épaules, c'est toute la jambe qui donne l'appui. Allons-y. Et la force. L'accent. Un, la tête, voilà. La tête, Guylaine, voilà. Lâchez pas le dos, hein. Pas pour rejeter, lâche pas le dos. Pousse, allez. Un. Allez. Un et deux. Un et deux. Finissez bien. Position. Un. Quatre. Un. Allez, hop. Allez. Finissez bien. Allons-y, les enfants, la série des sauts de chat développés ou pas de cheval. Hein? Alors, les suivis et ceux avec les glissades. Attention à l'atterrissage. Le temps en l'air, vous êtes bien placé dans cette position quand vous descendez, talons en avant. Hein? Pas de position de trois quarts, car vous êtes complètement en dedans. Moi, je suis là, je vous regarde de profil exprès. Alors là, méfiez-vous. Allons-y. Hey. Plus loin, voilà. Talon, Marie-Gaëlle. Genoux, talon et genoux, hein. Ça suit. Oui, c'est mieux le dernier. Attention, Marie-Gaëlle, en dehors. Respirez ici. Et vous ne respirez pas, vous faites... Hein? Je ne sais pas d'ailleurs comment vous pouvez danser sans respirer. Moi, je ne vous vois jamais respirer. Ça, vous n'avez pas de crainte d'être essoufflé, hein? Non? Ou alors vous êtes à l'asphyxie. Bien toujours sur le pied de terre en équilibre, hein, les filles. Dans les tours, dans les équilibres, partout. Allons-y. Et la tête? Stop et cato et on descend. Nous allons faire le premier enlevé, c'est-à-dire assemblé assis sur l'épaule. Tu veux voir Vanessa, toi, c'est à toi de juger la distance que tu as besoin au moment où tu dois t'approcher d'elle. Hein? Alors. D'abord, on le marque. Veux-tu faire ton tour? Voilà. Et là, il faut que tu sautes bien. Tout de suite, tourner. Tu fais un demi-tour en l'air, avant presque en sautant. Hein? Tu veux l'essayer? Plie. Plie-toi. Voilà, c'est bien. Oula, c'était beaucoup. C'était bien. Hein? Et après, tu la descends en poisson. Là, doucement, prends-la. Là, lui laisse pas tomber les jambes. Tu as vu? Remonte-la. Et tu la mets tout de suite sur sa jambe droite, ici. Tout de suite, droite. Elle n'est pas droite. Décale-toi, toi. Décale-toi. Tu la tiens trop serrée. Une fois qu'elle est de là, ici, de là, tu la mets sur sa pointe, sur ta pointe. Comment... Et là, tout de suite, il faut que tu te desserres pour là. Hein, il faut que tu sois sur ta pointe. Hein? Allons-y, vous voulez me le faire, s'il vous plaît? Voulez-vous
vous descendez un peu plus les filles pour prendre l'élan. Allons-y, pliez. Pliez la jambe de devant. Remontez. Posez. Oui, nous allons faire un petit adage qui regroupe tous les exercices que nous avons faits jusqu'ici. Hein? Alors, allons-y. Une jolie révérence pour commencer. Les garçons aussi. Un. Voilà. Doucement. Restez. Accent sur la glissade. Allez jusqu'au bout de l'arabesque et remontez, descend et tournez. Mettez-vous, placez-vous bien les garçons. Grande jambe, doucement, grande jambe. Et on bouge plus. Bon. Et un. Et deux. Cinquième. Et attention, on retient doucement, doucement. Retenez vos partenaires. Huit. Et tombez. Un. Posez. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Développez. 2. Allons. 8, 2, 3, 1. 2. Cinquième. Fondez. Hop. Classiques ont été adjoints d'autres disciplines. La gymnastique pour corriger certains points faibles ou pour développer la musculature du dos. 6. En couronne. Voilà, ça y est. Voilà, très bien. Parfait. Ça va. Respirez. Soufflez. Tiens, Nicolas, prends-la par les pieds, s'il te plaît, là. Et tire. Voilà. Pas trop fort, hein. Pas, tu tiens seulement, voilà. Parfait. Ça suffit, merci. Soufflez. Descendez notre poitrine en avant, sort merveilleusement, alors que le ventre est rentré. La finalité, c'est de faire un beau porté. Donc la facilité pour un lanceur de faire un porté et pour une pluie de se tenir bien. Allez. Voilà. Le folklore pour apprendre le déplacement dans l'espace en groupe et retrouver l'instinct du mouvement.
le mime qui amuse beaucoup les enfants. Le caractère rassemble toute la tradition du folklore russe. Le moderne est une nécessité absolue aujourd'hui pour les danseurs qui doivent pouvoir répondre à la demande des chorégraphes contemporains. Préparez-vous, bras à la seconde position. 1, 2, 3, 4. Voilà, le critère des garçons est un petit peu le même, sauf qu'évidemment, il faut que la musculature soit plus puissante et plus forte, que les épaules soient bien établies, le cou. Et alors là, c'est la souplesse des reins, par contre, chez le garçon. Vas-y, allez, la tête sur les genoux, maximum. Voilà, maintenant ici, les bras sur la barre, et tu cambres en arrière, jusqu'où il va. Vas-y, pousse, tire. Voilà, attention à ta tête. Voilà, bien. La même chose pour le garçon, nous ne demandons pas la même souplesse, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum. Tu me fais une cinquième d'abord, et tu me fais un développé. Tends la jambe à terre, bien. Vous voyez, ça ne montera pas beaucoup plus haut, mais c'est suffisant pour un garçon. Il n'est pas nécessaire, comme pour les filles, d'avoir une trop grande souplesse. Bien, merci. Alors, voilà le dernier bébé qui vient de rentrer. Quel âge as-tu ? 10 ans et demi. Et j'ai 10 ans et demi. Alors, vas-y, montre un peu ce que je t'ai fait faire quand j'ai été pris. Non, je t'ai mis en sixième position. Plie, montre-moi tes tendons. Allez, tire bien, lâche la barre, plie et saute. Pousse, voilà, encore. Tiens ton dos. Voilà, vous avez vu ? Donne ton pied. Voilà, il a un pied naturel. On va pouvoir travailler, mais il a déjà une qualité naturelle qu'on n'aura pas besoin de travailler. Tu vas me donner ta jambe. Voilà, c'est léger. Tiens ton genou. Allez, rentre ta hanche. Voilà. Bon. Creuse le dos, allonge le bras, allonge ton bras. Voilà. Maintenant, tu vas te mettre en tailleur, par terre. En tailleur. Voilà. On met les deux pieds comme ça. Et voilà, tu pousses toi-même. Ça, voilà, pousse un peu. Si ça fait mal, tu lâches. Voilà, une bonne ouverture de hanche. Sans problème. Thank you.
important de la technique masculine, les tours ou pirouettes sont une giration sur la demi-pointe. Pour arriver à une giration de 8 à 10 tours, il est nécessaire d'obtenir un bon équilibre du dos. 1, 2, placez bien les épaules, les omoplates serrées. 1, 2, 3, 5e et 1, 2, ferme. 1, marquez bien le rythme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien et 1, 2, ferme. Tiens les omoplates serrées, les reins fermes. Pas trop près de la barre. 1, 2, ferme, ferme. 5, 6, 7, 5, ferme. Bien. Les enfants, on va faire maintenant des pirouettes. Vous serrez bien le dos, vous placez bien vos mains. Joli. Et les tours, la même chose. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1. Et 1 et 2. Relevez, ferme les reins. Seconde, placez les bras. Joli. Voilà, ferme les reins. Et 1, 2, 3, 4. Et serre les omoplates. Serre les omoplates. Et ferme les reins. Relevez, place. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, place, relève. Et 1, serre les omoplates. Plié, étendu, souple. Allonge tes bras, allonge tes bras. Voilà. Faut pas faire des bras raccourcis. Très bien. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1, 5e. 2, 3, 4. Et 1 et 2, échappé. 1, 1, 2, 5e. Tendu. Bien. 1, 2, échappé. 1 et 1, 2, serre les omoplates. Et 1, 2, 3, 4. Oh, serre. Serre. 1, 2, 3, 4. Et 1, serre. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas bon. Tu lâches, tu fais ça. Tu fais rond et tu avances la tête. Tu tombes en avant. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut ouvrir les omoplates, serrer les omoplates, serrer les omoplates. Là, tu l'as fait. Maintenant, en dedans. C'est en dedans. Deux. C'est là. Et. Un, deux, trois. Maintenant, serre les omoplates, serre les omoplates, serre les omoplates. Nom d'un chien. Et. Un, deux, trois. Serre les omoplates, serre, serre. Voilà, si tu, oui, si tu serres, tu tourneras droit. Si tu ne serres pas, tu vas tomber par terre. 3, et 4, et 1, 2, place bien, serre, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, ferme. Les enfants, on va faire maintenant des tours, des pirouettes, oui, en dedans et en dehors, en quatrième position. Et puis la seconde fois, vous allez les faire en couronne. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1, 2, 3, préparation, 4, et 1, et 2, et serre bien les épaules, 2, et ouvre, serre vos plats, 2, voilà, 3, et 4, n'avance pas trop, 1, et 2, et 3, 4, et 1, serre les omoplates, 3, 4, et 1, serre les omoplates, 2, et 3, 4, et 1, serre les omoplates, 2, et 3, 4, et 1, serre bien, 2, 3, serre bien, fini couronne, couronne, préparation, et 5e. Bien, maintenant on va faire des relevés, grande préparation avec tour attitude. Allons-y, maestro. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, serre les omoplates, allonge. 7, bien croisé. Relève. 1, et 2, et 3. Ferme. Première et ouvert, allonge.
allonge, tête. Et un, et deux, et trois, et quatre, et un, deux, ici, trois, quatre, relevé, ferme, et deux, et trois, et ferme, et un, ouvre le bras, deux, allonge bien, cinquième, assez, bien, c'est pas mal. Mes enfants, maintenant, on va faire les pirouettes finales attitude sur demi-pointe. Attention, c'est difficile. Il faut bien serrer le dos. Hein? Vous faites avec un chassé, avec un jeté relevé, à la seconde, pirouette attitude, détourné et l'autre côté. Oui, allons-y, maestro, s'il vous plaît. Gardez bien le corps. Liez, dansant. Et un, deux, et un, deux, trois. Chassé, joli, voilà, dansant, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, viens bien l'épaule, viens bien l'épaule, viens bien, voilà, détournez, restez. Bien, mes enfants, maintenant on va faire les tours relevés à la seconde. Deux fois, un et deux. Le troisième avec les tours attitude en dehors, passer raccourci en promenade, développer deux rangs de jambes. Hein? Attention, il faut bien serrer le dos, ce n'est pas déjà difficile de coda. Maestro, s'il vous plaît. Un. Je suis un interprète. Je suis né interprète, c'est sûr et certain. Que ça soit d'ailleurs de la danse ou du cinéma ou de la chanson, je suis fait pour raconter des histoires. Voilà, sinon moi j'ai fait 5 ans d'école de danse comme vous. J'ai pas eu la chance d'être ici, mais j'ai eu l'opéra quand même, ce qui était pas mal. Bon, c'est évident que les courses dans les couloirs de l'opéra, ça resterait un moment très magique dans ma vie et ça reste un souvenir merveilleux. Cela dit, si vous le faites pas maintenant, vous aurez tout le loisir de le faire quand vous serez dans le cours de ballet, puisque pendant 2 ans, quand on est stagiaire, on fait pas grand-chose, sinon apprendre les rôles des autres et attendre que quelqu'un tombe malade. Mais vous êtes content ici, non? Oui. Il y a intérêt à dire oui, parce que sinon, ça va m'enfler. Non, c'est vrai, vous êtes bien. Avant d'attaquer tous les exercices préparatoires à la batterie, nous allons faire au sol un exercice particulièrement pour le croisé du bas de jambe. C'est un exercice d'abdominaux, mais qui fait travailler le croisé. Alors vous mettez à demi-hauteur, vous faites 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Croisé, 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 comme une cabriole. Hop, hop. Et on fait ça 4 fois 8. Et on se tient. On serre le ventre, on baisse le menton, on ne lève pas pour ne pas cambrer. Allons-y. Et... Et un, deux, trois, hop, détaché, hop, et relâche un petit peu les genoux, et
Vous relâchez légèrement les genoux pour bien croiser par le bas de jambe. Hein. C'est croiser, 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 croiser. On appelle batterie les sauts au cours desquels les jambes s'entrecroisent ou se frappent rapidement. Une bonne position de l'en-dehors est nécessaire pour le passage des talons qui marque l'effet de ce croisement. C'est un travail de la rapidité du bas de jambe. Dégagez, serrez les pointes. Deux. Serrez les pointes quand vous dégagez. Et deux. Hop. Serrez la pointe quand vous dégagez. Et un. Et rien ne bouge. Et. Deux. Et un, deux. Hop, hop, hop. Et. Serrez bien les pieds, le genou est souple. Un, deux, et. Hop, deux bras, suivi. Un, deux, un, deux, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Un, deux, et. Dans le bras, deux, un, et. Un, deux, un, deux, un, deux. Hop. Alors cet exercice que nous allons faire maintenant, c'est l'exercice type pour la préparation à la batterie. La batterie, c'est dans ce sens-là, donc il est logique que de la seconde, on parte de la seconde pour le ramener des jambes. C'est le bas de jambe, c'est vraiment au niveau des chevilles du bas du mollet. Tu vas le faire arrêter 8 fois. Gérald, de la seconde, tu vas faire 3 suivis arrêtés. Et après, Sébastien, tu vas le faire en 5e. On se tient bien tout à fait droit. Et toi, Gérald, par rapport à ton genou, justement, comme j'ai expliqué, tout à l'heure, il faut absolument que tu relâches ici, hein, un petit peu. Allons-y. Dépassez la cheville. Hop, hop, dépassez. Quoi ? Le genou est sous. Et talon en avant. Bascule du bassin. Et. Hop. Un. Et. Trois sous. Et. Croise, croise. Dépasse. Hop. Et. Battre avant, avant, avant. Voilà. Il ne faut pas perdre une seconde. Il faut tout de suite. C'est le bas de jambe, c'est tout le travail des pieds qui font comme ça, tu vois. On peut battre l'entrechat jusqu'à 8. Ici, entrechat 3, entrechat 4, entrechat 5, entrechat 6. Bien, maintenant les cabrioles, nous allons le décomposer en 3 fois. Toi, tu fais les cabrioles en 4e, plié, tendu, plié, et plié, tendu, plié. 6 fois, tu te détournes et tu fais à gauche, en 4e devant. Arnaud, tu fais la cabriole en arrière, en tenant bien le dos, avec un jeté pour changer. Et après, tu les fais toi à la seconde, plié, tendu, plié, cabriole arrêtée à la seconde, et 3 suivis. C'est pour travailler le pousser de la jambe de terre, car c'est la jambe de terre, vous savez, qui vient battre l'autre. À demi-hauteur avec le bas de jambe. Allons-y. Et plie, et hop, le bas de jambe en dehors. Et un, souple la jambe de terre, souple le genou. Et pousse sur le pied de terre, hop. Et la souplesse du genou, souple, et le pousser du pied. Un, le dos ne bouge pas. Et deux, et un. Soulève le corps, un, je vais tirer à fond, un, je vais jeter, hop, et un, tire la pointe et le genou, et la culotte, saute, stop, et étend, et hop, et un, chassez au niveau de la 5e, et un, arrière, et deux, un, et. Mais la cabriole, il faut que ça chasse absolument par la 5e, une jambe chasse l'autre par la 5e. Les genoux bien tendus en arrière, hein, et on soulève le corps. Yeah.
que vous connaissez bien la décomposition en mathématiques avec les mains? Tu peux m'en montrer comment on fait, comment on décompose l'entrechat 3, l'entrechat 4, la batterie en général. L'entrechat 3, c'est 1, 2, 3. L'entrechat 4, c'est 1, 2, 3, 4. C'est juste. 1, 2, 3, on ne croise qu'une fois, mais c'est déjà. L'entrechat 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrechat très difficile. C'est bien. Connaître la théorie aussi.